Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais classer les jeux Super Mario du pire au meilleur. Donc, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner pour plus de vidéos. On commence avec Super Mario 3D Land. Tous les jeux Mario en 3D ont un point en commun. Ils s'épanouissent sur une console de salon. Il fallait bien une exception pour confirmer cette règle. Super Mario 3D Land, une aventure sortie exclusivement sur 3DS. Bien sûr, la prouesse technique est là, mais la machine portable reste trop limitée pour assurer à Super Mario 3D Land des standards similaires aux autres. C'est vraiment l'opus le plus oubliable de ce classement. Super Mario 3D World. Quand je passe de Super Mario Galaxy 2 à Super Mario 3D World, la chute est vraiment douloureuse. D'un côté, une énième réinvention totale. De l'autre, une expérience plus routinière. Certes, cet opus plus classique apporte sa pierre à la mythologie. Le costume chat et repose sur un gameplay d'une efficacité redoutable. Mais on reste un peu sur notre faim. À noter quand même que le portage sur Switch réhabilite un peu Super Mario 3D World grâce à l'extension Bowser Fury. Cet ajout de taille sert de laboratoire pour ce qui pourrait constituer le futur de la saga. Un Mario dans un monde ouvert. Super Mario Sunshine. Super Mario Sunshine repose sur une vraie innovation qui aurait dû le propulser vers les sommets. Dans cette aventure très estivale, le plombier est affublé d'un accessoire lui permettant de balancer de l'eau un peu partout. Nintendo en tire une ribambelle de mécaniques axées sur le nettoyage et d'autres options de déplacement. Seul hic, la difficulté est assez corsée, surtout pour un Mario. Et le gameplay n'est pas aidé par une caméra qui a tendance à faire un peu n'importe quoi. C'est un véritable coup à prendre et Super Mario Sunshine est parfois une véritable épreuve pour les nerfs. On aime quand même malgré tout ce vilain petit canard. Super Mario Odyssey. Super Mario Odyssey mérite vraiment qu'on lui tire son chapeau, sans mauvais jeu de mots. Une fois encore, Nintendo parvient à basculer la formule traditionnelle, héritage de Super Mario 64 et de nombreux opus en 2D, en ajoutant une arme à la panoplie de Mario, une casquette vivante qui peut prendre possession des ennemis ou des animaux. C'est simple, il y a une nouvelle idée de gameplay toutes les 5 minutes. Tellement Super Mario Odyssey a une générosité débordante. Il est la preuve que la mascotte sait toujours se réinventer sans jamais être écrasée par le poids des années. Super Mario 64. À quoi ressembleraient les jeux de Mario d'aujourd'hui, voire les jeux plateforme au sens large sans Super Mario 64. Oui, rejouer à ce titre en 2023 vous fera grincer des dents. Mais ce serait une insulte de ne pas le considérer comme l'un des meilleurs jeux Mario jamais développés par Nintendo. Il est le premier à passer au décor en 3D à une époque où ajouter une dimension supplémentaire était loin d'être familier. Il est un pionnier au même titre qu'un jeu comme le premier Tomb Raider. Certes, il reste très classique en comparaison de ses successeurs, mais il a beaucoup apporté à un genre tout entier, au point de continuer à fasciner près de 3 décennies plus tard. On termine avec Super Mario Galaxy. Comment renouveler le jeu de plateforme en 3D? C'est la question que s'est sans doute posé Nintendo au moment de développer Super Mario Galaxy. Le pire, c'est qu'il a trouvé une réponse à ce problème, a priori difficile à résoudre. Des décors circulaires prenant la forme de planètes. On se retrouve très souvent la tête en bas dans Super Mario Galaxy. Et en termes d'architecture, des niveaux on navigue dans l'insensé. Pour preuve, aucun autre jeu n'a fait mieux que lui. Depuis sauf Super Mario Galaxy 2, qui se paie en prime de luxe d'ajouter Yoshi pour encore plus de variété. Les deux épisodes Galaxy, sortis sur l'un des plus beaux succès de Nintendo, là oui, sont vraiment des monuments du jeu vidéo. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas encore une fois de t'abonner et à lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao !